La monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Saudinanza. Sa. Sorti 11 mars, arrivé 6 avril, Bureau Secrétaire d'État pour l'intégration de mon handicapé. Tandis qu'il gros une grosse campagne de sensibilisation de tout secteur dans la vie nationale. Sous condition la vie mon handicapé dans le pays d'Haïti. Dans l'émission, ça spécialement nous parlé dans la famille, dans voisinage, la caille, l'école. Qui a mon handicapé Qui s'est concrètement pour garantir l'autonomie et puis intégrer dans la société ya. C'est ça, nous parlons avec trois invités spéciales pour l'émission ça, M. Gérald Auriol, qui est secrétaire d'État, pour intégration de mon handicapé. Merci d'être répond à l'invitation pour l'émission ça. Bonsoir et salue à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, émission ça C'est vraiment un plaisir pour moi là après-midi avec nous, pour me parler de situation de mon handicapé, pour nous vraiment débattre et thématique handicap là pour faire lumière. Jaille. Nous avons encore c'est Michael Louis, qui est représentant AFAS, l'association des femmes de femme droit et des femmes handicapées. Nous remercions d'avoir fait déplacement pour l'émission. Bonsoir, Violine, bonsoir tout le monde qui a écouté l'émission qui a regardé l'émission aujourd'hui. Nous sommes vraiment contents pour nous participer à l'émission 1, pour nous parler exactement sur condition de vie des personnes en Haïti. évolution qui est faite, dans point qui travaille encore, qui est faite. Et enfin, c'est Franz Lage qui est avec nous pour l'émission ça, lycéen docteur Zieux, et puis lycée vice-président Chambre Commerce, et Industrie, dans le département Sud-Est. Bienvenue dans l'émission. Merci. C'est un grand plaisir pour nous, pour nous avec deux aussi prestigieux invités. Monsieur Oyol, qui est d'abord un parent. Mademoiselle Mikaël Louis, qui, à travers le pays, travaille avec l'organisation des Femmes au Soleil. Pour améliorer la qualité de vie des femmes et des handicapés également. Merci infiniment, toutes invitées, de ce que nous faisons déplacement. Euh, qui point nous par la Kounia, Kounia? Les nous dit handicapés. De qui ça ne voulait pas aller? Mais d'abord, nous invitons à suivre le premier clip émission. Nous tous égales égaux. Je suis Clément et moi 54 ans. Maman moi mourir en 63, moi aveugle en 64. Donc les malosies à prendre, à à pas que je prenais le docteur, je ne peux pas laver le matin, ça permet que les yeux me font infection. Alors c'est ça qui permet que tous les deux viennent péter. Je vais me traverser. En 1981, je suis entré port au prince. Je ne veux pas au prince, je ne suis pas dormi la caillou, je suis accepté de dormir en bas du bois. Villons, venez. Venez, va Je à 5h du matin. Pour me prendre tap-tap, pour m'en arriver au travail à 8h30. mwen gen yon ti li miye tout pi ti nan ou zye, ki pe ormet ke mwen ka identifiye yon kafou. Un, ka, dezemman, mwen tan de bouya li identifiye yon kafou, gen bwi, kamionet, grebi, mwen brou kamyonet, gen mwen moun kap pale, sa identifiye ke, morive, un, ka, mwen ke mwen rive nan kafou. Mwen gen pato prese nan tet mwen, pote, mwen, tete, mwen. M kon ekivalen ka fwo pou m pase pou m ouve de ou lot rwi. M kon nan tout rwi yo pou m ouve lan tet rwi mwen we. Sa vle zi, lè m ouve nan ka fwo, pafwa, m kon di ou zan mi re ton kamenet pou m we. M toujou sal, m toujou meg, m toujou pagin la jan, yo te zi m kon sa ke m pa be jan mi jwen nou fi, Qui me permettent que m'embrasser. Et bien, alors, je jour où suis marié, ma pendant un chameau avec c'est un jour spécial pour moi. Pour un handicapé percé, vivre madame, petite, pécaille, c'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a toujours grand plan pour chaque. Coup. Euh... Il n'y a pas de personne Voilà, nous sommes suivis le reportage. Nous tous égaux ». Ça te permet de nous rentrer dans l'univers euh, personnage ça, qui en dans le reportage là qui paraît bien qui est capable d'identifier à partir d'un petit bras de lumière eh, qui côté lié qui côté le voulait aller monsieur Oriol Gérald ou même qui est secrétaire d'état pour moon qui handicapé yo, pour intégration donc eh, comment sont reportage ça est-ce que est-ce que est-ce que feeling qui traverse là c'est c'est ce qui ça lié exactement en fait pour moi c'est encore plus spécial parce que Nord, c'est un monde qui travaille directement avec moi c'est se e, 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 un service accueil-bureau. Hein. Donc c'est le premier monde qui recevra des doléances de handicapé handicapé dans le bureau. Hein. Donc c'est vraiment un monde qui vit avec une déficience et visuelle. Ils ne parlent bien. Ils sont malvoyants. Hein. Mais ils réussissent quand même à surmonter la déficience. Ça, E jounen jodi a, nou kamem mwede nou si klemanor se si yon moun andikapi. E yon reaksyon rapidou de Mikael Louis ki sa sa fon santi e otan de et, fason ke li, li li vin devlope teknik li pou l kapab pemet li wè ki kote li e, ki koman l kapab euh, travese e sikule nan, nan Port-au-Prince. Mwe, mwen wè kouraj klemanor. Malgre ke sosete a gen de bariyer, men li vink tout bariyer sa yo pou ke li mèm li vini autonome li vini indépendant donc hein, cela veut dire quoi cela veut dire que des fois c'est pas que c'est un ensemble de, de barrières qui empêchaient que Mouna évolue mais courage lui et nous apprécier ça fait que lui vainc les ça une réaction rapide de France Large, ou même qui c'est ophtalmologue ou c'est ou c'est brièvement ou c'est un docteur yeux donc comment sentir leur garder toute tactique que L'utiliser pour être capable de circuler. En 2014 jusqu'à présent, la Société haïtienne d'ophtalmologie a lutté puis offert l'examen des yeux obligatoire dans les établissements scolaires. Et ceci n'est pas encore accepté. Jusqu'à présent, on a lutté pour que nos services de circulation. Les permis de, de, de circuler, les permis de conduire soient donnés par des ophtalmologues. Pour moi, conclure, c'est d'abord au sentiment de révolte, mais également au sentiment d'admiration, effectivement, et c'est là que je rejoins le secrétaire d'État, devant cet homme qui d'ailleurs n'est pas un exemple isolé, puisque à travers le pays, il y a un hein, pile monde qui à travers qui surmontent un handicapés pour qu'ils continuer à travailler et à continuer à fonctionner. Et c'est ça nous Première question, euh, un peu générale, M. Gérald Oriol, ou même qui est secrétaire d'État pour l'intégration des monde qui On n'a vous parlé de handicapés en général. Qui ce nous voulait dire Bon, en fait, il y a plusieurs définitions de ça en monde handicapé. On peut droit plan médical, même si vous avez sont qu'il plan social. Mais moi-même, je eh, crois communauté mon handicapé en général, Abdako Avem, nous parler d'un handicapé. C'est un monde qui vit avec une déficience physique, sensorielle ou intellectuelle, qui, à cause de barrières sociales, barrières culturelles, barrières physiques, barrières économiques dans le pays, vient développer des incapacités. Donc, c'est un monde qui... Certes, gagner en déficience et qui potentiellement, tu es capable d'exercer citoyenneté, tu es te capable rempli de remplir devoirs civiques li, en tant que citoyen, mais à cause de toute les de barrière, subir une incapacité Mais M. Gérald Oriol, on n'a pas parlé de personnes handicapées. C'est quantité on a fait là. Quelle quantité de personnes qui sont handicapées dans le pays d'Haïti quelle est bon, estimation nous avons fait aujourd'hui bon, bon, Malheureusement, il n'y a pas gain de données fiables sur et, la, la question du handicap en Haïti. Mais selon toute estimation, il y environ 800 000 jusqu'à 1 million de personnes et handicapées dans le pays. Donc, n'a avons profité vraiment du prochain recensement et de population qui est pour cours. Son recensement qui est en cours ou bien qui est Prochain recensement population, recensement général de la population haïtienne qui vient pour faire très prochainement. Donc, on a profité de l'occasion pour nous recueillir de donner vraiment beaucoup plus fiables sur le handicap, qui permettent nous vraiment de et mieux et développer un et programme et de politique en faveur de la population handicapée. Mais comment nous faisons mesurer le secteur Si c'est n'a pas les deux listes, si ce sont des situations qui alarmante alarmantes et que les gens ont besoin de prise en charge, donc qui ça Comment est-ce que est ce sont faits qui eh, normal que nous n'ayons pas en Haïti des données qui permettent d'évaluer nous évaluer qui nombre eh, de personnes handicapées dans le pays à Louis? Bon, Vraiment, ça sont de grandes faiblesses. Euh, ce n'est pas seulement dans la question du handicap qu'il y a un problème statistique. En Haïti, nous connaissons la recherche, c'est le recensement, ce pas des choses qui faites de façon régulière. L'étude qui parlait de 800 000, c et c qui était là, bien avant le tremblement de terre, c'est des études bon, qui pas fait vraiment par, 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 par l'État. Donc, c'est ONG, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui vient avec un pourcentage de 1 million après le tremblement de terre. dernière étude qui était faite, qui vient qui dit qu'après le tremblement de terre, il y a 1 million de monde qui viennent handicapés en Haïti. Mais là, est-ce qu'on est -ce qu capable de dire bon, mais combien de filles sont handicapées, mais combien de garçons sont handicapées? Bon, Moi-même, par exemple, qui représente l'association de filles et de femmes handicapées, donc nous ne sommes pas capables de dire mais combien de filles, mais combien de garçons. Mais juste nous, de façon générale, il y a un million de personnes handicapées après le séisme. mais Monsieur Gérald donc nous est eh, pendant le mois de mars la avec le mois d'avril. Bureau-là, tambour, on a campagne de sensibilisation pour sensibiliser tout le secteur dans la sur la question de pour Mounsayo. Là, on parlait de accessibilité De qui ça, nous voulait parler concrètement, M. le Secrétaire d'État Bon, que moi, très clair, c'est accès vraiment à service, accès à l'environnement bâti pour permettre que handicapés soient capable de circuler normalement en tant que citoyen à part entière, capable de vacuer avec activité, capable de remplir en tant que citoyen à part entière. Donc, accès aux services, que ce soit dans les services publics, que ce soit dans les services privés, il faut que les handicapés aient vraiment des possibilités pour avoir accès à différents services a yo, pour jouer en tant que citoyen. Son bagage est certainement bon pour les handicapés, mais son bagage est bon pour le pays a, parce que les gens et des activités, développer des possibilités pour mon handicapé, les ouvrir les portes pour mon handicapé, et bien planifié pour tout le monde. Dans le deuxième segment de l'émission, nous continuons à parler de même question, mais précisément, nous parlons dans le pays d'Haïti, les gens handicapés, est-ce que son a, a Est ce sont des gens qui recevoir les recevoir Est-ce que ce sont gens qui a assisté ou bien ce sont gens qui ont le pouvoir, qui ont la capacité, qui gagne l'autonomie pour poser des actions Nan le ogan, yon ti kominote kap fè yo koken chen travay. Yo ta ye roch yojwen nan la rivye komye ak o zalantou li yo. Josef Ronald Larat fèt nan zon nan, li tap viv Etazini. Li ka setet tou nevin viv nan peyi d'Aiti. Lan ale 1999, li te mette sou pie yon atelier eskil ti ak Roche pou plis pase desanjen nan ka foudi fo. Se sak te rev mwen, rentre isi. konverti kominote sa nan yon kominote de servis a traven industi touistik. Vreman m senti ke te avala efikas, li bon, e mapjou de li. Larat se yon atis ki byen konyu nan domet eskil ti Roche an Haiti. Li se pitit George Larat, yon moun ki gen gro renome nan eskil ti. Mbo se travay li yo tre bel. yo chaje a koule. E zev sa yo ou pa joun yo lot kote. Se a 12 an daj, Ronald Lara Tevan premye zev li nan yon galou. Depi la sa, li patisipe nan plize ekspozisyon an Haiti kou al etranje nan yon stil ki prop ak li mem. Pou mwen dizala egziste nan atu la. Bon dieu, kreyon diversite de plante e de fleur. Bon, mwen moi... m sa kreye pou mwen mal puize l. Toujou panche ver eh, sa ki bel. Sa ki bel, eh, se kon sa, eh, mwen sorti nan a pradmire, m tombe nan a utiliter. Malgre lvin domaje aprel te fon aksidan motosiklet, eskil te apajan m rate okasyon bay ansyen elev liyo yon ti vizit. Daye, jan toujou dil, jen yo reprezenté lòd jom li mankè ya. Jodi am vini paske mte bezwen kompran eh, yo e pwi gade ev yo e pwi pase yon koman kom genyen pou te kapab eh, travay pou mwen. Pase flan bo la konesans li bay jen, impotant an pil. Li kwe se nan fason sa, li kapote roch pali nan konstriksyon pe yil. Da ye, se pou rezon sa ke prezidant Mateli te rekompansil ak papal nan l ane 2011. A traves jen kominote bigou neo, revrou nan la rat komanse piti-piti ap vin yon realite. Me santi ke yon avenir, me santi yon asure en sosete meyye pou demen a traves eskoutu de la biye. Voilà, on se suit le reportage ça, c'est de retracer l'activité de quelqu'un qui n'a pas pied et qui ça s'en fait pour le vivre. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas besoin d'assistance seulement. Première question, on a parlé avec Michael Louis. Michael Louis, est-ce que nous sommes capables de dire en Haïti, les auparais de un monde handicapé, son monde qui là, qui pour recevoir seulement assistance, qui n'a pas capable faire rien pour être là? Um, handicap évolue en Haïti. Avant… 50 ans avant, l'homme mon de personnes handicapées, de personnes malades qui besoin d'assistance, qui ont besoin de faire le don, de charité. Mais ben ça a évolué avec un pile travail qui fait parce que les personnes ça ont été regroupées en association pour commencer di, non, se moun, koutou, moun, travail, à dire, mais non, nous sommes des personnes qui sont capables de travailler, qui sont capables d'aller à l'école, qui sont capables de faire des actions. Donc c'est là que hein, les handicaps viennent faire social. Les viennent au monde qui ont droit. droits. Et il doit jouer le à ça. Donc il y a, a une pile évolution qui fait au a des monde handicapé, qu'on a un monde qui tout le monde. Ce n'est pas un monde pour faire charité. Ce n'est pas un monde qui peut inspirer pitié non plus. Ce sont des gens qui ont besoin on bagage de plus pour être capables de fonctionner. Donc c'est mettre des structures en place, mettre des, des outils adaptés pour que le monde soit capable de fonctionner. Est-ce que d'accord à ça, dit à M. France large est-ce que les conditions sociales autour affecté la situation du monde Mais il faut calculer tout que lorsque George jour là, qui pour papa. Qui qui est connu mais automatiquement déjà au marché. Tu vois? Donc ceci dit, gain y gagne deux bagailles que je dis. Premièrement, je dis que je ne représente jamais que le bagagne. Ça, c'est une. Et deuxièmement, je parle de art utilitaire. C'est-à-dire que les sortis dans l'art pour faire mon plaisir pour aller dans l'art utilitaire. Gain y gagne un potentiel extraordinaire. Au niveau de la culture, parce que culture, c'est côté que valeur ajoutée capable de bigger, parce que l'on prend Roche, Roche bagage n'est-ce pas, qui comprend, qui est pratiquement insignifiant, puisque ou joue une Roche tout tous mais l'on joue, n'est-ce pas, l'objet d'art fait à partir de la Roche, ceci a un prix extraordinaire. Donc, là encore, c'est un champ d'action extraordinaire, non seulement pour la population haïtienne, mais particulièrement pour cette tranche de personnes qu'on appelle handicapées, que nous sommes capables de screener pour nous voir qui affinité yo pour un certain nombre d'activités artistiques que nous peut canaliser là-dedans et ceci a bon pour les handicapés, pour la société, pour le pays en général. Mais M. le euh, secrétaire d'État, est-ce que y a monde qui fait handicapé ou bien qui vit handicapé pendant le grand Est-ce que il a aussi même, même euh, discrimination dans la société Est-ce qu'il vivre dans la même situation Est-ce qu'il a monté le même calvaire Bon, faut que nous... Je suis totalement d'accord avec... Mikael, mwen kweke gen de gran avanse ki fet an Haiti. Gras avèk an pi l'effort sensibilizasyon, an pi l'effort ou nivou la sosyete sivil, e depi 2007 ou nivou de l'Etat Haitien, e goun chanjman e de komportman, goun chanjman datitude vizavi moun andikapè. Mè, padan ke na rekounet avansman sa retou, fòk nou net avèk tèt nou, nou gen pil travay pou fè toujou. Paske e, moun andikapè kanmèm jiska prezant ap subi pil diskriminasyon nan sosyete malgre ke gen lwa an plas, malgre ke komanse gen struktur an plas pou mye akompanyè yo, me e, ka diskriminasyon sa yo toujou eksiste e fòk nou kontinye lute, fòk nou kontinye e Devlopè solidarite nan sosyete nou an, vreman pou nou asyre ke moun andikapè vreman jwen plas yo tout bon nan sosyete a. Yo reaksyon de Mikael Louis, sekretèr d'Etat palè de lwa ki egziste, de dispozisyon legal ki la pou defan dwa moun ki andikapè yo, men eske nou kapap di jounen jodia nou etat de dwa an Haiti, e et eske etat de dwa sa alè mèm ni fasilite moun ki andikapè yo? Nou konen genye ratifikasyon lwa ki te fet Mars 2012 pou entegrasyon moun andikapè, la lwa portan sou l'entegrasyon de person andikapè. Se vwe gen pil bel arti ki ekri, gen pil bagay ki di pou amelyore vi moun andikapè anaydi. Men jounen jodi anan ki pouen aplikasyon lwa sa yo ye, Um, sinon par exemple bon, comme qui on, on c'est un on, on facteur qui concerne mon pile et que on pensait que si on tient compte de tout ça va permettre que les handicapés on l'autre porte ouvri pour yo, yo il est capable défendre droit yo il est capable de travailler tout c'est l'éducation si nous tient compte de l'article um, 39 qui dit que faut que ministère l'éducation nationale fait que en dedans l'école yo commence à enseigner braille parce nous sa, publié, non, que nous avons un aspect. Deux ans après le loi, ça, voté, publié, est-ce que ça a respecté? Non, pas sûr que ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Parce que s'il n'y si a pas eu d'accessibilité, ça rentre en ligne de compte. Il faut que, nan, en dedans éducation, l'éducation, couloir il faut vraiment éducation capable, inclusive et que tout le monde, que l'on ke li pa wè, li ka pa bale nan non, non, non ekol normal. Li pa oblige zete la ferme nan non kwen, ou di mwes nan l'ekol ki fet spesyalman pou li, sa ki pa permette li sosyalize avèk l'ot moun. Eskwa pa ap di nou konkretman an tanke sekretèr d'Etat, eh, ou mèm ka ap defan, ou mèm ki reprezentè l'Etat, nan emisyon sa, ki eh, sa konstituè de kontrènte de barrière a aplikasyon lwa sa? Bo, mwen ta rektifye mpa kwek ke pagay ki fet, mwen kwek ke rete an pil pagay ki pou fet. Qui ça qui fait? Est-ce que nous avons compté quelques actions qui font? Nous avons évoqué, Michael Louis évoqué l'article 39 là, euh, sous question éducation. Bon, so, et par exemple, d'abord, le gouvernement reconnaît l'importance de la Et le gouvernement chita ensemble pour réfléchir qui gens à différents niveaux pour appliquer la loi à travers, par exemple, le forum du gouvernement sur la question du handicap. Il y a des mesures qui prennent et pour vraiment mettre en application différents et de dans loi. Par exemple, nous-mêmes personnellement, au niveau du BCF, nous avons travaillé de très près avec l'UCLBP, l'UCLBP qui est responsable en pile chantier de la reconstruction nationale, pour n'assurer assurer vraiment que... Accessibilité physique au bâtiment et respecté. Il y a des efforts qui font tout au niveau et du ministère de l'Éducation nationale. Par exemple, depuis 1993, il y a la CASAS, qui est la Commission d'adaptation scolaire et d'appui social, qui l'a vraiment pour assurer que jeunes jeunes en situation de handicap aient possibilité à l'école. Et en, dans ministère de l'Éducation nationale, encore. gen de e fok a fèt justèman koun ya la pou an dan kourikoulom e de formasyon e de mètk e gen on modul sou l'edukasyon spesyal pou asyre ke e, e, e enseynyan yo al avnir e gen e, konesans, gen aptitude e pou akompanyen moun andikapè. Dok, a difèren nivou gen de e fok a fèt et sètenman, Et il était en pile pour mais le gouvernement a travaillé vraiment d'arrache-pied avec en pile volonté de concert avec la société civile en général et pour assurer vraiment le respect de cette. Et nous avons une réaction rapide de Michael, lui, rapide, rapide, oui, après ça pour nous prendre Justement. M. François, rapide Oui, oui, oui. Dans oui. la question éducation l'éducation, um, comme. Et... Secrétaire d'État, il parlait de CASAS, qui s'est entité d'un ministère et, et éducation nationale, qui c'est commission de l'adaptation et d'appui social, qu'il a depuis en 1993, c'est ça, M. Oriol. Donc ça fait un pile de temps déjà. Mais jusqu'à maintenant, c'est gagné seulement. Bon, ça, pour moi, c'est écœurant. Bon, excuse-moi. mais c'est... Donc en termes te clairs ou pas satisfait de progrès. pas gagné de progrès, progrès qui fait. Y a un, si vous dit pas gagné de progrès qui fait. Sous l'échelle de 10, est ce qu'on satisfait euh, Puisque jusqu'à maintenant, y a un groupe qui est vraiment marginalise, qui vraiment exclu. Donc, je ne suis pas capable. Parce que si, si nous dit qu'il y a là pour l'aider et, et, et pour ces commissions de l'adaptation et l'appui social. Donc, jusqu'à maintenant, je vous dis que on, on jeune qui est qui il n'a pas finir l'école. Et s'il pour finir l'école, il faut l'oser. Parce que bien seulement Saint-Vincent. Qui gagne 9e année fondamentale. Ok? C'est-à-dire, ça a les 4e, 2e, 2e 3e, le e c'est là seulement qui est capable de Bien que l'année ça, il y a ajouté pour qu'il soit capable de faire 3e. Mais n'a pas parle de, 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 de CASAS, il faut que CASAS permette que, que les jeunes qui sont capables de finir l'école, tout le monde. et l'un finit tout, il faut qu'il soit capable de faire une université qui recevra. Et réaction en Donc... France là, rapidement? Quand ça a lieu, problème dans le pays. Il y un système de loi. Mais les lois, les réformes de loi, ce sont des choses et j'en parlais n'est-ce pas tout à l'heure avec M. Bautin. Leur sont une série de lois qui sont plus ou moins sorties de l'étranger et que même les bon, et que ils ont et, mettez n'est-ce pas et dans la législation haïtienne sans une adaptation à la réalité socio-économique de ce pays. Eh bien là vous avez des cas de figure qui sont décrits par Michael. Oui. Regardez. Nous avons un aspect culturel et un aspect économique. Au niveau culturel, si vraiment, on besoin d'intégration des personnes handicapées, entre guillemets, et que ou pas explorer au niveau de la religion et au niveau du vaudou les avenues qui permettent réellement, n'est-ce pas, dans nos traditions haïtiennes d'avoir une place, parce que nos traditions haïtiennes ont une place pour, la personne, pour les personnes handicapées, nous n'avons pas besoin que c'est l'autre bord, n'est-ce pas, qui a bien montré nous ça pour nous faire. Mais ben, nous, pour réaction. Et deuxièmement, de, 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 excusez-moi, oui, okay. deuxi pardonnez-moi. Deuxièmement, vous avez la réalité économique. Regardez, il faut nous garder la réalité en face. Les qui gagne deux mains, deux pieds, qui gagne deux yeux, qui gagne des oreilles, déjà, nous avons un taux de chômage avoisinant les 80 Donc, si que ne pas démontrer au secteur privé, le secteur qui emploie, n'est-ce pas, la productivité particulière de la personne handicapée, parce qu'il y a une productivité particulière. Et troisièmement, et troisièmement et troisièmement, excusez-moi, vous avez par exemple au niveau toujours légal, nous sommes entrés actuellement au niveau de la Société haïtienne d'ophtalmologie de nous battre pour ce que nous appelons la low vision. C'est-à-dire que des gens qui sont ce qu'on appelle legally blind, c'est-à-dire qui sont aveugles légalement, mais qui ont un petit de vision qui est capable d'améliorer. Donc là encore, on profite pour, pendant que le secrétaire d'État est là, puisqu'il est au, au pouvoir, il est au gouvernement, de transmettre, n'est-ce pas, à qui de droit, la, le problème de la Société haïtienne d'ophtalmologie que eux ont on atelier un organismes, ont département organisme, organisme de base vision qu'on besoin de faire nos pays hein, et qu'on vous multiplie n'est-ce pas toutes sortes de barrières pour que les appareils capables d'entrer ici, donc nous permettent effectivement que les permettent société civile n'est-ce hein, pas les organismes qui travaillent dans ce domaine puis il y a toutes sortes de facilités pour capable capable de résoudre le problème plus rapidement. D'accord, une réaction rapide, mais concernant concrètement une partie dans discours-là, M. le Secrétaire d'État, François, je dis comme ça que la loi sous intégration des de handicapés dans la société A, qui votait et qui ratifiait et qui publiait dans le journal Le Moniteur depuis 2012. Donc, l'idée n'est pas adapté avec... Non, non, dit... non, non, non. excusez-moi, pardonnez-moi, je bah, ne ça moi je dis m'applaudis la loi là nous autre travail n'est-ce pas au niveau de la ratification de la loi ce n'est pas quelque chose de négatif que nous disons mais nous dit que à partir du moment qu'on loi n'est-ce pas une bonne loi maintenant il faut trouver les mécanismes culturels et économiques mécanismes culturels d'une part avec la réalité haïtienne et économique également qui pour convaincre maintenant le secteur qui emploie Permettez-nous une permette réaction, euh, secrétaire d'État. Oui, nous avons une réaction sur la salle de diable. écouté les premières paroles qui vous ont Donc, il, comment réagir à la salle de Bon, rapidement, e, pour e, finir, secrétaire d'État. Je suis capable de dire que je suis parfaitement d'accord avec le Dr. Loge. Parce que la y a une réalité dans le pays, qui est propre propre nous-mêmes, une réalité économique, et la majorité de la population est en situation difficile. Et nous pouvons pas ignorer ça. Si so, on 10 personnes dans la rue, peut-être 9 personnes pour travailler, Sou apren 10 jen nan la, 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 la ouya, petet 5-6 pal l'ekol. Dok gen yon de problem fondamental ke fok nou rezoud pou tout populasyon en general, san nou pa eksklu moun andikapé. Pal nan troazem pati emisyon kon yala, nou pal wè ki eski gen obligasyon visavi moun ki andikapé yo. Met tout d'abon nou pal suiv klip sa, vide e reportaj sa, soud ak bebe yo gen dwa tankou tout moun. Mari Michel fè tou bebe, li gen 27 an anè sa. Yo chwazil kom responsab prodiksyon izin ODDSM, organizasyon kap defan drwa moun soud ak bebe yo. Se yon jen fi ki fyer de tèt li. Sak fè mwen la vi m chanje, se paske mwen wè an dèfam mi an, mwen komanse pote prodwi pou van. Lontan, se maman m kitè toutan te kon ap lonje mè ba mwen, okipe m ak petit mwen, kounya mwen komanse fè kob, Mwen kapote ki choy nan kay la pou m pataje ak tout fami m. Izin nan ge 8 emploaye. Chak jou yo produ plizye dizen bwad detejan. Likid al tahir pou lave, dezinfekte rad, epi lave cheve. Si kondisyon la vi Marie-Michel kouman se chanje jodi ya, se si apre an pil kalve. Tout sal te eseye pot ko jamb mache. Mete sou sa, lol te ge 23 an, yon jen gason violel la ge yon pitit nabral pou lo kipe. Il y a des gens qui sont en train de travailler dans le pays, qui ne peuvent pas jouer à rien pour faire. Il faut aider, supporter, pour être capable de développer les talents. Pour vendre liquide Altair sur le marché, ODDSM a formé une équipe marketing avec des personnes handicapés physiques et trois personnes qui sont bébés. Dans tout le monde qui a présenté le produit, il tout passant sans exception. Yo fè livrezon doa direk nan tout boutik klien ki abitue vande prodwi Altaïr nan rayon yo. Se si se moun moun bebe ki fè li, mwen yo byen travay. Yo byen travay parce si fèlicite yo pou sa. Se si si moun moun bebe ti kabab fè li. Se Gerda Jonka ki kreye ODDSM, organizasyon kap defan doa moun soudak bebe yo, di de san bin le 1923. Li de sa ate vin nan tèt li, apre l te fin si bi yon gwo aksidan ki te koute l jam gwo chli. Li itilize tout mwen yon komunikasyon posib pou ple de koz moun soudak bebe yo. Sa ki yon portan pou nou toujou, se fè pase langaj desin atraver tout peyi da iti afin ki yo kwaab integre an dan sosyete ya. Po langaj sin lan, integre tout mwen bon vre nan sosyete ya, fok chak sitwayen ta pren disposisyon sa yo. Fok chak moun kapap pren konsyans ki yo se moun tankou tout moun. Dezyèman, e pou entegrasyon sa fèt, fòk tout moun kapab genyon lan moun pou sou la. O DDSM bay tèt li misyon, e de jèn soudak bebe yo jwenyon chans nan sosyete ya. An atadan, goup sa jwenyon lot fòmi ki fè li myè l'espoi bryè nan keyo. Ki es ki gen obligasyon par apò a moun ki yandikapè nan peyi Daïti? Se sa napwè nan troazèm pati emisyon an, Première question on a pas à Michael Louis qui est ce qui gagne responsabilité c'est toute institution sociale c'est famille première qui c'est plus ancienne institution sociale on allait pour famille qui responsabilité famille gagne par rapport à un monde qui est handicapé un petit monde qui est handicapé et qui fait handicapé qui responsabilité par rapport à famille c'est premier horizon social si donc c'est famille qui pourrait inculquer des valeurs pour la prendre mes tête d'abord en tant que handicap, et c'est la famille qui peut accompagner. là Nous dit accompagner, nous avons une attitude de surprotection. C'est-à-dire, des fois, les parents sont tellement surprotégés, ils sont en forme de discrimination. liée Ils ne peuvent pas participer à un de bagages qui a fait dans la ni à décision qui concerne. Il faut que la famille commence à responsabiliser et socialiser en même temps. Ça, c'est le premier travail. Apprendre à intégrer dans société. Ya. Ensuite, nous une l'autre entité qui c'est l'autre institution sociale qui c'est l'église. L'église d'où ils ont pour le faire commencer les jeunes qui vivent avec un handicap dans tout mou mou jenesse, nan, donc, est ça qu'a fait dans jeunesse donc c'est ça fait nous avons plusieurs institutions. gens qui mm -hmm. parle l'église là du tout gagne communauté, gagne communauté, gagne voisines qui ont travaillé pour le faire. C'est pas pour c'est pour commencer d'abord changer regard yo gagnent face à mon handicapé. Tout monde tout le monde toute institution responsable intégration mon handicapé et mon handicapé a tout pour l'intégrer il li faut sentir que veut voulez aider pas oublier en pile fois juste bon non non juste bah nous pour réaction parce qu'on parle en pile <laughs> et ben bah nous pour réaction France concrètement France je lui dis énuméré en pile secteur qui une responsabilité par rapport à monde qui handicapé il parle de communauté il parle de famille nous la famille mais 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 concrètement communauté a le vis à qui responsabilité il gain vis-à-vis un monde qui est handicapé la société civile et les haïtien ont pour devoir de travailler main dans la main pour mener des études qui démontrent à, à différents paliers de la chaîne de production, côté différents types de handicaps, capables d'intégrer pour que la productivité soit plus grand. Nous parler de sourds muets, qui sont capables très facilement d'ailleurs, il parler de ça, l'appuyer, sans me tout à l'heure entrer au niveau de la production, n'est-ce pas, de la petite industrie, côté que Haïti a gommé actuellement pour augmenter, n'est-ce pas, sa balance commerciale. Mais nous parlons également d'autres champs d'activité, même au niveau de ma spécialisation l'ophtalmologie, ou des personnes, n'est-ce pas, qui ont un handicap capable d'entrer dans le système, que côté que malgré tout, ils ont un chômage terrible, mais ils sont capables de représenter un avantage comparatif, productif. Qui est capable de faire entrer dans le champ de la production. Comme ça, on a sorti d'un de niveau d'enseignement de loi qui n'est pas capable appliquer tout simplement parce qu'il n'y a pas grand champ économique d'application pour nous passer dans un système de productivité, un système de croissance, n'est-ce pas, basé non sur la démagogie mais sur les faits, sur la réalité. On va parler de démagogie et, qui sur est basée oui, oui, non sous sur la démographie fait. mais sur sous les faits. Mais qui, ça, concrètement, euh, qui est quantifiable que nous-mêmes, associations, on fait dans le secteur patronal là pour. Nous sommes euh, euh, responsables par rapport Dé à Définitivement, définitivement comme moi, à l'époque que nous étions présidents de la Chambre de commerce... Kounia, on a parlé de Kounia. Bon, Kounia même, excusez-moi, cest C'est-à-dire qu'avec les problèmes qu'il y a dans le pays, ça, chaque monde, plus ou moins, a pareil patatli Mais c'est raison pour nous revenir, n'est-ce pas, avec l'obligation impérieuse qu'il y a, n'est-ce pas, pour le secteur productif, pour le secteur... Et c'est là que nous, pratiquement, nous parlons interpellés au secteur privé, qui pas seulement au secteur privé, n'est-ce pas, de business, de faire comme, n'est-ce pas, parce que si c'est un raquette, on va faire, on l'argent, et non mettre la banque, et puis après trois, trois jours, une semaine, on va prêter comme, là, ça, nous ne pouvons pas entrer dans une logique pareille. Mais lorsque nous parlons de secteur privé vraiment national, là, nous pouvons entrer dans une logique pareille, où vous analysez différents créneaux de, 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 de production, et où est que, qui côté, que monde qui est handicapé, entre guillemets, capable d'entrer dans le secteur de production particulier, capable précisément de contribuer à la croissance nationale. Et une réaction du secrétaire d'État, M. Gérald Auriol, il parlait de responsabilité ou bien Un unification, unification que le secteur privé a, pardon, et société civile avec l'État doivent faire ensemble pour euh, responsabilité par rapport à mon handicapé. Mais concrètement, quelle responsabilité l'État a gagnée par rapport à mon handicapé et dans qui diverses plans Bon, en fait, eh, l'État a une responsabilité assurer que les handicapés soient capables de jouer pleinement de droits. Donc, pour nous arriver à là, faut que nous soyons capables mettre en place des politiques, des programmes qui permettent aux handicapés handicapé de dégager normalement dans la vie. Donc, c'est pour ça que nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous travaillons. Sous les thématiques handicap à différents niveaux. Que ce soit sur le plan de l'accessibilité, nous et, 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 faisons des réflexions, nous agissons pour assurer que les handicapé petit à petit, capable capables de circuler librement dans la société. Que ce soit sur le plan de l'éducation, de efforts des efforts pour assurer que les jeunes et les personnes handicapés aient accès à un système éducatif même s'il si y a un pile défi pour élever à ce niveau, que ce soit sur le plan légal, nous travaillons justement pour renforcer le cadre légal, là, pour assurer que les handicapés soient capables de jouer pleinement de droits en tant que citoyens. Donc, situation sur situation qui que ont plusieurs dimensions et obligé d'agir sur eux à différents niveaux pour permettre vraiment que, et nous sommes capables d'arriver à une intégration réelle. Mais concrètement, quelle opportunité l'État haïtien offre aux personnes handicapées Nous connaissons le ministère, la majorité des nous constatons l'île, elle fait reportage, nous constatons la majorité des personnes qui travaillent dans ces personnes qui ont un handicap. Donc, l'État en général, euh, pas seulement au niveau de ce d'État, qui l'État, qui opportunité offre euh, aux personnes handicapées Bon, nous-mêmes, nous travaillons, j'aimerais dire, sous différents plans. Et c'est de concert avec les différents collègues du gouvernement. Par exemple, si vous prennent, sous plan sous question réhabilitation, la santé, le ministère de la santé publique est très prochainement pour inaugurer le premier institut haïtien de réhabilitation, qui non seulement appel là pour offrir des services de réhabilitation à communauté mon handicapés, mais également appel là pour assurer formation de cadres qui impliquaient dans la réhabilitation des personnes handicapées. Parce que fois qu'on a tout ça, c'était un cas. Et après le tremblement de terre, nous avons justement une nécessité au niveau national pour nous développer un cadre de réhabilitation. Ensuite, sous le plan, par exemple, de l'assistance, et c'est vrai que nous prenons inclusion, intégration, c'est vrai que nous et nous voulons que chaque citoyen autonome, chaque citoyen capable. degaje ou ke ou moun andikapè ou pa, men gen de moun ki beswen ou sèten asistans pou yo kapab pran kap yo. Donk, ou nivou di gouvernement, gen de program d'asistans sosyal ki mette an plas e an fave ou moun andikapè, menm si nou pare yisi frape tout moun, men ap fèy fòr pou nou yisi frape le maksimum de moun posib. Et nous n'avons pas les deux employés habilités, ils réaction rapide. nous on est dans la loi mars 2012 là, fait fait injonction à l'institution privée pour employés employer sous chaque 100 personnes, au moins deux personnes qui handicapées. est-ce que ça a respecté et qui fait à respecter. C'est-à-dire que à partir du moment qu'on demande pour m'employer deux personnes, c'est ou bien ces deux personnes que m'apprennent employer juste pour le plaisir pour m'employer mais là ça faut payer pour ça vous comprenez, pour moins de valeur que vous ce qui est un négatif. Mais un bagage plus positif, il mm. y a une chose plus positive, la chose plus positive précisément, c'est de démontrer que l'handicap n'est pas un handicap, mais il, il peut au contraire être une valeur ajoutée. Et c'est là que moi-même, je dit que au lieu imposer au monde pour prendre deux mon handicapé, non-business, qui ne rien pour louer avec mon handicapé, c'est d'ajuster l'handicap au lieu où l'handicap au lieu d'être un handicap, sera au contraire un facteur de productivité. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le deuxième facteur, n'est-ce pas que nous n'avons pas mentionné, c'est que le handicap n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il y a deux bagages par exemple au niveau de ma spécialité, grand pile monde qui actuellement ce sont des handicapés visuels, mais qu'avec un programme valable au niveau médical et au niveau chirurgical, ils sont capables de recouvrir le plein exercice de leur faculté visuelle. Ça c'est la chose. Ne serait-ce que les très grands myopes, des myopes peut-être au-dessus de moins 6 et des gens par exemple qui ont la cataracte qui, peut, qui est réversible. Et deuxièmement, même des cas qui actuellement sont de vrais handicapés au niveau, n'est-ce pas, que défini définis au niveau international, il y a actuellement des recherches, n'est-ce pas, au niveau international qui se font. Et nous pensons que Haïti, précisément, avec ses handicapés, doit être, n'est-ce pas, in tune avec les derniers travaux de recherche qui se font au niveau international pour que, n'est-ce pas, tout travail soit fait au niveau de l'avant-pointe que nous sommes capables d'implémenter en Haïti. Parce que de toutes les manières, nous persuadés que quel que soit l'handicap, dans quelques années, cet handicap pourra être résolu. Et une réaction rapide à Dédia concernant euh, euh, spécialement dans le discours de Est-ce que d'accord, Sal Dedia? Je ne suis pas sûr que l'on moins dit pour que gagner mon cap, cap travail dans... Non, non, non dans l'institution de quantité, pourcentage sûr la, oui. de moins pas parce que y a juste, mettez-moi gens là, comme on le porte. Parce que dans le secteur handicap, il y a pile potentialité. Il y a qui fréquentent université, d'État, des qui fréquentent université privée, des gens qui gen, font des études très, très, très avancées. Donc, il y a un emploi et un en fonction de capacité, en fonction de potentialité. E. Nous-mêmes, il y a des de, de, de femmes. Um, non-voyante, qui étudié psychologie, qui étudier étudié droit. Donc, ça, c'est beaucoup. Donc, si mon a des e, compétences, y a employer en fonction de compétences. Ça ne pa veut pas dire que vous voulez tout le monde clair sur ça tout. Dans le secteur handicap, il y a une pile de potentialité. Et si mon travail, ce n'est pas des faveurs, mais c'est parce que vraiment les compétents, ils emploient pour compétence. Et on a une réaction sur le même point, M. le secrétaire d'État, nous connaissons l'emploi, employé nous sommes déjà en pile de monde qui est handicapé, en bureau, et nous connaissons, e, mais précisément, dis-nous... Eske es moun sa yo ki employe, eske se de moun ki trez efikas nan travay ki ap fe, e, e, e par rapor a sa, e, e, Monsie e, François, jdia? Sertanman, se de, de moun ki, se kapab di se, pa mi meyo employe ke gen nan biwom, se de moun andikapè. Men fòk nou rekounet tou, e a kòz ke situasyon divisil, gen pil moun andikapè, bajorite pe. handicapé par une formation professionnelle qui est capable permettre vraiment être vraiment efficace sur le lieu, lieu de travail. Mais kom, comment est secrétaire que tu aligné avec normes conformes internationales À quel niveau Nous conformes avec normes internationales qui parlait, qui tablait sous question monde qui est handicapé. Est-ce que nous fonctionnait dans ce sens-là Bon, faut dise qu que et, malgré que situation. e tre divisil an Haiti pou moun andikapè, men nou, nou fèran pil avansè. Nou se pratikman sel peyi nan kaya e blan ki ratifiye konvansyon internasyonal relatif a dwa moun andikapè, ki goun lwa nasyonal e su la kesyon di andikap, ki gen yon bureau o nivou de l'Etat ki trete e la problematik di andikap, e gen de peyi nan kaya e blan le nou al dan de séries conférences et ONG qui représentent. On Donc, Haïti, non seulement est en conformité avec un pile et convention au niveau international qui prend la thématique handicap, là, mais même Haïti représente quelque part un modèle tout et pour certains pays. C'est ça, nous sommes notre la troisième partie de l'émission. Qui est-ce qui a des responsabilité vis-à-vis -vis de qui handicapés? Invitez-vous à pointer du doigt plusieurs secteurs. Famille société civile, l'État. Donc, quand y a quatrième partie une émission. l'émission, nous parlons parler pour accessibilité universelle, qui chemin, qui moyen, qui doit mettre en place. Mais d'abord, nous allons suivre un spot. Regardez. Un nous en Haïti, accessible pour tout le monde, handicapé ou pas. D'après l'OMS, il y a plus de 800 000 personnes handicapées dans le pays. Il y a une société à tout. yo fèt pou jwen servis. Nou akouraje tout sektor publik la ki kapab fè mèm jan avèk nou potè patisipasyon yo a moun andikapè. Alevi nou pata supose yon problem. Bayon koudme, sa pa mande yon wanyen. Nan tout peyi sou lanter, yo fansilite akse ak andikapè. Pou ki sa la kain nou, nou baka fè mèm jan. Si la ki pi bezwen nou yo, fòk nou la pou yo. Sojébel, nous parlons de discrimination. Nous prenons toutes dispositions pour nous servir tout le monde et nous encourager tout le monde à faire même gens le monde, même genre avec nous. Les handicapés, c'est un même avec tout le monde. Pas négliger, intégrer dans la société à Messie. Message ça, ça c'est le secrétaire d'État pour l'intégration des handicapé handicapés qui peut être pour pour. Mais nous parlons accessibilité universelle, qui voit, qui moyen, qui chemin. Est-ce que ça part pas la ponte, on contre un poids qui est trop lourd pour l'autorité en place, pour l'État, pour prendre toute responsabilité. Bien sûr, et ça fait son bagage transversal. C'est tout le monde qui est concerné. C'est une question transversale. Ce n'est pas le secrétaire d'État seulement qui peut dire bon, je vais le penser pour moi, comment je vais le faire. Mais c'est tout acteur, c'est tout secteur, c'est toute institution publique, privée, et même le secteur informel. C'est tout le monde qui peut mettre ensemble pour que nous puissions être ensemble. Qui voit, qui meilleur. Parce que des fois, tout faut impliquer les handicapés pour qu'on ait exactement besoin besoins. Mais qui ça veut Parce qu'en fois, il faut, faut dire nous prenons un conseil de décision dehors de, sans que nous pas pas impliqués. Nous qu handicapé. Qu'on besoin, qu besoin concrètement pour nous capables de venir avec des solutions concrètes et durables. Mais une réaction de M. le secrétaire d'État, Gérald Oriol, est-ce que, dans le niveau du secrétaire d'État pour les handicapés, est-ce que nous avons des moyens qui sont proportionnels avec l'action nous voulons mener? Bon, action que nous-mêmes, que nous menons vraiment, c'est une action transversale. Et ce n'est pas pour sans raison, d'ailleurs, que le gouvernement met en place un comité interministériel de suivi en matière de handicap qui regroupe un pile à compacte ministère. Parce que nous estimons que si pour nous arriver à une réelle intégration, il faut que nous agir à différents niveaux. Donc, le budget bureau PAM gagne des droit mais on ne pas seulement sur le budget PAM. Par exemple, si vous prenez le programme d'assistance sociale pour les personnes handicapés, il sortit directement du budget FAYES. sous vous prenez haïtien de réhabilitation que nous mettons en place, sorti directement de coopération brésilienne et ensuite c'est le ministère de santé publique qui est pour assurer. Mais nous, nous connaissons une plateforme d'organisation qui a défendu un Monde, le qui a un peu dénoncé le fait que le euh, secrétaire d'État ça pas gagné assez ses moyens pour répondre avec toute aspiration. Est-ce que nous-mêmes, nous, nous faisons des plaidoyers au niveau euh, parlement, euh, au niveau autorité qui concerne yo? pour sensibiliser, ou, pour être capable de mettre plus de moyens à disposition nous, pour nous faire ce travail-là. Et certainement, il faut que depuis installé, le budget a une belle augmentation. On croit que nous sortis de firman, 27 millions de gouttes. nous passons à plus de 37,5 millions de goudes, évidemment, et, et de manio, et bien sûr, pas répondre. tout a traver budje sa, men jèmwen di nou, si gen de aksyon konserte a diferent nivou, en ben wap kap rezoud an pil problem. Par eksept, gen batiman publik yo kap konstoui. Si nou te di par eksept, fò ke nou gen an budje pou e, konstoui ramp, konstoui e, pou ren batiman aksesib pou permèt moun andikapè kapap sikule libreman. E sa tap mwen apwosh, men pwede sa tap mwovez apwosh a tou. Pwou ki sa ke, avek konsentasyon, depwi nan konsepsyon de batiman, nou deja asyure ke la bakse sible. E budget sa pa soti direktman e o nivou de bureau PAM, men soti e o nivou de lot minister, lot organisme l'Etat. Non, oui. se si oui. mbyen kompren, batiman kap konstuyo, pou yo kreye des aksè a moun ki yandikabe yo, se l'Etat anko ki pou investi Non, non, on parle de bâtiments publics. On parle différents ministères, différents organismes d'État qui étaient effondrés suite à un tremblement de terre. Et normalement, l'État prend toute dispositions pour être accessible. Donc, l'autre bâtiment privé, c'est clair, et, que faut qu'il accessible tout, et ça a le loir. Donc, Mais, nous toujours dans l'accessibilité physique, oui, et ce qu'il y a d'État Oui, certainement. De, en général, on parle d'accessibilité universelle. de et accessibilité à l'environnement bâti. Soit parler de inclusion en général et accès aux services de base et c'est un autre aspect. Mais si on a parlé de accessibilité universelle et généralement ça fait appel à l'environnement bâti. Une en, réaction rapide monsieur Franslage. Euh, accessibilité universelle euh, environnement bâti et qui moyen qui voit qui doit qui chemin deux doit prendre. pile corps pour assurer pour une meilleure productivité de chaque centime qu'on gagne. Au niveau du problème de l'handicap, il y a d'abord la prévention de l'handicap. Ensuite, il y a est-ce que l'handicap est réversible ou il pas réversible. Et troisièmement, il y a lorsque l handicap l irréversible qui est joué en charge. Au niveau de la prévention, imaginons qu'un message radiophonique seulement est capable d'éviter un pil monde aveugle. Par exemple, si mon monde qui a écouté l'émission, il connaît que Formans ne pas supposé jouer avec Chat, et que Formans ne pas supposé jouer avec Timoun qui un bouton mais qui est tachoukoyou, et qu'il propage le message-là, déjà, il pile de monde qui sont pas aveugle. Deuxièmement, et ceci, je vais multiplier dans notre bagaille. Deuxièmement, au niveau de réversibilité, encore une fois, un pile de qui est considéré comme légally blind, c'est-à-dire qui vraiment aveugle dans pays pays, qui avec une paire de lunettes ou bien avec une opération de cataracte capable de gagner fonction visuelle. Imaginons que jusqu'à présent dans le pays, il y a un seul côté qui a des prothèses pour permettre pour des prothèses auditives et il y a un seul microscope chirurgical qui capable n'est-ce pas guérir la tépanoplastie, ou nous donner. Alors que l'état haïtien l'hôpital général qui Brenda Brenda Strafford, une, je que peut-être le secteur privé qui gagne l'autre. Tu vois, donc alors que, n'est-ce pas, et avec, n'est-ce pas, une multiplication de ce type de microscope, ça et deux ou trois centres qui ont des prothèses auditives, il y a plus de monde que nous considérons actuellement, qui est étiqueté, n'est-ce pas, comme des sourds, qui étaient capable, n'est-ce pas, de récupérer une certaine capacité auditive. Et comme je disais tout à l'heure, en s'alliant au centre de recherche, il y a beaucoup de cas, n'est-ce pas, qu'on peut récupérer. Rapidement Bon, enfin, je qu que à travers le monde et question handicap la traité par différents secteurs. Et donc nous-mêmes, nous avons un rôle que l'État doit jouer. et C'est un rôle de coordination pour assurer vraiment que services service et différents services dont mon handicap a besoin pour être capable de gagner autonomie, pour être capable et circuler librement dégager dans la via eh, services sont disponibles et disponible et a un minimum tout de service que l'état doit garantir donc à ce niveau là gagne j'aimerais dit, il y a, a différents efforts ont fait et au niveau de la réhabilitation pour assurer que l'état vraiment et prend en charge les handicapé et qui besoin service de base et déjà a sou prè servis de reabitasyon fizik, gen Ofatma, ki deja gen de sal de reabitasyon, e Kounia la vek instituyen, e sa pral revolisyonè e situasyon an Haiti. Euh, si nap di yon aksyon ki dwe fèt Kounia, e euh, ki sektè ki dwe fèl, an komanse avèk Fonmiyo, e ki sak dwe fèt bokote Fonmiyo pou entegre euh, moun ki antikapè yo, yon aksyon ki dwe fèt Kounia la. Se pou ke Fonmiyo kapab Um, faites les no handicapé responsable. rendez autonome, autonomes, pas dépendants. Et accompagnez-vous dans tout ce affaires, fait. Pas mettez au sous-côté. Parce que quand pile une famille qui est no handicapé, pour eux, c'est honte. Donc d'abord, il faut que les parents commencent à retirer ça de mentalité. C'est un changement de mentalité. C'est parce que le changement feb. de mentalité, ça, est-ce qu'il est -ce qu il facile Il n'est pas facile, mais c'est un qui est possible. Secrétaire d'État, n'a ne recommencer commencer, n'a retourner avec la question de la loi, ça encore. loi de mars 2012, là, qui... e pren de dispozisyon pou entegre moun ki yon dikap yo an dan sosyete ya. Ki sa glou fèt koun ya pou pèmèt lwa sa li mèm ni aplike? Bon, mwen kwek yon lwa, yon lwa oryant, mè yon lwa pèmè ne remplase pa la volante. Mwen kwek fò nou kontinye e prone l'integasyon, l'inkluzyon, fòk nou kontinye sensibilize sosyete ya, fòk nou Également, tout, pas penser seulement à aspects contraignant, mais il faut nous penser à des aspects incitatifs, parce qu'il y a un coût, l'inclusion a un coût, et il faut que nous soyons capables d'absorber. Donc, il est important que nous faisions des réflexions profondes à ce niveau, pour vraiment que l'inclusion que nous apprenons est capable de tourner en réalité tout bon fruit. gen de dispozisyon ke l'Etat dwe pran e ke l'Etat ap pran. Par eksept, ou ta pale de kesyon akse a l'enplwa, e ben gen pil promosyon ke nou fè e gen pil dispozisyon tou ke nap pran. Par eksept, gen servis de plasman an faveur de moun andikapè ke nap mette an plas. Dok, e gen difere aspek ki mande aborde, men sa mande an pil solidarite E sa mande tou anpil refleksyon a diferent nivou panse ke e, si na pale de yon lwa, e certainman ge e, e, fok li respekte, me fok li ka respekte tou. M. Fransage, pou lwa Mars 2012 la aplike, eske se plus e chanji pou fete ou bien eske gen de mezur euh, ki ta dwe pran paralelman pou euh, fose lwa sa li menm ni mette an aplikasyon? Fok ke l'Etat gen mwayen sa politik. Et, politik, li, et seci, il y a un moyen pour l'État, un moyen de sa politique, il faut qu'il diminue le poids que les handicapés ont fait sous lui, Et pour ceci, il faut limiter le nombre des handicapés. Imaginez que les médicaments sont dans la rue. Ils permettent à un pile monde de faire sans bras, sans jambes. Et tant que les médicaments, pendant que le ministère de la Santé publique a fait paraître communiquer sur communiquer, puis dire que les gens ne sont pas capables de vendre des médicaments dans la rue, et puis pendant ce temps, on est devant le ministère de la Santé publique, on ont vendre des médicaments. Mais là, c'est un message pour vous dire que ça m'a parlé, c'est du vent qu'emporte le vent dans la brise parfumée. Donc, tant que vous pas gagné une volonté de faire passer les lois dans le réel, c'est laver les mains sur Deuxièmement, lorsque vous besoin de faire passer une loi au niveau du secteur privé, ce n'est pas le patronat droit. Le patronat dans tous les pays du monde, c'est joindre, l'y pas joindre. Il faut que vous gagniez des stratégies pour faire comprendre au patronat que il y a intérêt pour employer ce secteur n'est-ce pas de la vie donc maintenant Lorsque nous parlons d'employer des personnes handicapées, mais nous, nous, en, nous nous mettons dans une logique de développement, nous nous mettons dans une logique d'investissement. Donc, ce n'est pas uniquement une affaire légale, mais il y a tout un trait de mesures économiques, que ce soit au niveau de la discrimination des, 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 des coefficients de réserve obligatoire, des taux d'intérêt, de n'est-ce pas, tout un trait économique qui est capable, n'est-ce pas, encourager l'investissement et permettre précisément ce trait de mesure pour être capable ou assise dans le matériel, dans le concret. Merci infiniment d'être accepté de répondre avec invitation. Sa. Monsieur Français, merci d'être venu ou fait déplacement. Michael Louis, merci d'être venu faire fait déplacement. Et Monsieur le Secrétaire d'État, Gérald Auriol, merci d'être venu là pour débattre de questions. Accessibilité pour les handicapé handicapées, intégration ou dans la société. Hein? Merci infiniment. Merci à vous-même qui t'avez suivi, émission, tout. Lorsqu'il y a une bonne information, agit bien. On prend décision, je ne à traiter les personnes handicapées avec respect. Compréhension et puis humanité. À bientôt.